Wesh l'équipe, c'est Linst. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Sadek. Je pense que tu le sais si tu suis un peu l'actualité rap. Sadek est actuellement en prison, en détention pour le règlement de compte qui a eu lieu sur Bassem. J'ai fait des vidéos pour expliquer toute l'histoire. J'en ai même fait deux pour bien résumer toute l'histoire. Et actuellement, il est en prison. On ne sait pas s'il est en prison à Lyon parce qu'il a été arrêté par les Condés en Seine-Saint-Denis à Bagnolet. On va dans Saint-Denis-Saône. Yulok, c'est pour toi Yulok, hein, en exclu. Yulok, c'est le gars, baba. Donc s'il a été arrêté à Paris, ça m'étonnerait qu'il aille en prison à Lyon. Après, je sais pas, tu vois, mais il y a eu certaines vidéos où dedans tu peux voir un prisonnier qui se filme et qui dit « Ouais, qu'est-ce qu'on va lui faire à Sadek ?» Oh, les gars, oh, on fait quoi, Sadek? Et tout ça, ça se passe dans une prison à Lyon. Mais bon, je pense pas que Sadek est dans une prison à Lyon. En attendant, on a pu avoir quelques conversations qu'a eu Sadek avec les inspecteurs en charge du dossier. Parce que ouais, il y a un dossier. C'est-à-dire qu'il y a toutes les preuves sur Internet, mais ils ont quand même fait une enquête, tu vois, c'est le protocole normal. Et dedans, Sadek dit que sa carrière musicale est finie. C'est-à-dire que sa carrière dans la musique est terminée. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce qu'il a dit ça juste pour que les inspecteurs soient plus cléments envers lui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant ça, lâche ton like frérot. Ça fait plaisir, c'est pour le soutien. Bon, comme tu le sais, Sadek s'est déjà excusé envers ce qu'il a fait. Il a dit que voilà, que c'était pas un exemple pour les jeunes et tout, mais que il avait cette pression montante et comme c'est un être humain, il a fauté. Bassem, quant à lui, au final, il est rien arrivé. Maintenant, il continue à faire ses stories et tout. Limite sur son visage, on dirait pas qu'il s'est fait tabasser, mais hardcore. Surtout que l'avocat de Bassem, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que dans une nouvelle vidéo de la scène qui s'est passée, il a vu qu'il y en avait un qui avait une arme et qu'il a mis en joue Bassem. C'est-à-dire qu'il a pointé l'arme sur Bassem. C'est hardcore. Et qu'il a retrouvé des douilles là-bas. Enfin, pas lui, mais plutôt la police. Vraiment, c'est hardcore. Et d'ailleurs, sur un screen de la vidéo, apparemment, il y aurait quelqu'un qui aurait eu un flingue. Ça, déjà, je devais le dire parce que franchement, je savais pas, tu vois, c'est vraiment chaud. Qu'est-ce qu'il a dit, Sadek, aux inspecteurs? J'étais pris de remords, me rendant compte du mauvais exemple ridicule que je laissais avec les vidéos de l'agression. Je sais que ma carrière musicale est définitivement finie. Je regrette que tout cela se soit terminé dans la violence. Donc, il y a deux théories pourquoi il a dit ça. La première, c'est qu'il pense vraiment que sa carrière dans la musique, elle est finie. La deuxième, peut-être pour amadouer, peut-être pour passer ça un peu plus dans la douceur, les faits qui se sont passés, et dont il est le principal accusé. Est-ce que la carrière de Sadek est finie? Bien évidemment que non. C'est pas une carrière 6ix9ine où vraiment il a snitch. Surtout que là, c'était des membres de gang et tout. Donc 6ix9ine, sa carrière, on peut dire qu'elle est finie, surtout qu'il parlait de gang à chaque fois. Et au final, on a appris que c'était même pas un mec de gang. Il a fait ça juste pour le sang. Lui, sa carrière, elle a des chances d'être finie. Par contre, Sadek, on n'avait jamais entendu d'affaires sales comme ça de Sadek. Il y a eu des affaires plus graves que ça qui se sont passées. Et les carrières de certains rappeurs ont quand même continué. Il y a eu beaucoup d'exemples. Donc non, Sadek, tu peux pas dire ça. On va dire ça. Surtout que là, ça on va dire, ça renforce ta crédibilité. Il a sorti un nouveau son, d'ailleurs, en feat avec un autre rappeur. Où dedans, il dit, on va sortir de la voiture. On va mettre ta tête sur le sol et tout, des trucs comme ça. Peu de temps après ce qui est arrivé à Bassem. Donc ça veut dire que le clip, il a été enregistré avant, ça veut dire que le son, il a été fait avant tout ça. Donc quand t'entends ça et que tu sais les faits, ça ne fait que renforcer ce qu'il dit. Tu te dis, ah ouais, en fait, Sadek, il peut venir à tout moment, c'est chaud quoi. Est-ce que ça glorifie son statut dans le rap français? Quand même un peu. Quand on écoute sa musique maintenant, c'est plus pareil. Donc ouais, il y en a qui sont partis, mais il y en a beaucoup qui sont arrivés et qui ont soutenu Sadek aussi. Tu penses pas que ça, cette affaire, ça va arrêter la carrière de Sadek? Bien au contraire. Surtout qu'il va pas prendre 20 ans. Dans une situation complètement différente de MHD. Il aurait pu se passer ça aussi, que quelqu'un se fasse fumer et qu'il prenne pour homicide et tout. Là, Bassem, il a R. Il a eu quelques trucs cassés, mais au final, plus de peur que de mal. Donc ouais, il va rien avoir. Peut-être un peu de prison vite fait, ou peut-être du sursis. Surtout que apparemment Sadek, il aurait un casier vierge. Là, il en a pas pour 20 ans et que ouais, ta carrière, c'est vrai qu'elle risque d'être finie. Là, non, pas du tout. Donc je pense qu'il a dit ça vraiment pour que les inspecteurs soient plus cléments envers lui. Qui voit qu'il est sincère parce qu'il dit vraiment qu'il regrette ses gestes, qui pense que sa carrière musicale est définitivement finie. Il peut espérer que les mecs en charge de l'enquête soient plus cléments avec lui et qu'ils se disent c'est un mec, il a fauté, il va assumer, mais ça va pas aller plus loin. Peut-être c'était ça sa tentative quand il a dit ça. Après, pour le lieu de prison de Sadek, franchement, je sais pas du tout où il est, les mecs. Hein. Si vous avez une petite idée, dites-moi ça en commentaire. Il y a eu, comme je t'ai dit, des vidéos qui ont tourné. Mais je pense pas que c'est à Lyon. Hein. Il s'est fait arrêter à Paris. Il va être déféré à Lyon.
C'est pas un pays, Lyon, quand même, tu vois. C'est en France. Donc si c'est en France, si t'arrêtes à Paris, tu peux te faire juger à Paris et tu peux aller en prison à Paris. Il y a eu aussi une autre vidéo qui a tourné où tu vois quelqu'un qui est en train de se faire tabasser en prison. Franchement, tu peux voir, c'est pas sa deck. Mais bon, tout le monde a dit c'est sa deck. Parce que voilà, il se fait tabasser, tout le monde se dit que sa deck, il va se faire fumer en prison. Sachez une chose, les gars, c'est que là où il est isolé. C'est une star. C'est une star du rap, certes. Ça a beaucoup moins de poids que si c'était une star de cinéma. Mais c'est quand même une star, donc ils vont pas le mettre avec tous les autres détenus, je pense. Donc voilà, donne ton avis. Est-ce que la carrière de Sadek est vraiment finie après tous ces événements? Est-ce que Sadek est vraiment en prison à Lyon? Donne ton avis, j'aime bien les commentaires. C'était l'Inst. Lâche ton like si t'as kiffé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe l'équipe. Peace.